y a plus de 20 ans, tu étais chroniqueuse ici à Sucré-Salé. Oui. Et j'aimerais ça qu'on regarde un extrait ensemble. C'est fun. Oh mon Dieu! Je sais, avec Richard Abel. Eh ouais, vous allez par là, hein? Ah oh non, mais il m'avait donné une ride de moto marine. Ça te défait de mise en plis, hein? C'est incroyable, on a eu vraiment du fun. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui trouvent que ta musique ou ton genre est quétaine? Ben, je pense qu'on est tous quétaines pour quelqu'un. J'ai entendu des jeunes dire que Jimmy Vanelli, c'était quétaine. J'ai entendu dire des grands artistes aujourd'hui qu'ils étaient quétaines. Alors, on est tous le quétaine de quelqu'un. Oh, j'aime ça. On est tous le quétaine de quelqu'un. Ça. C'est tellement vrai. Mais on dirait que t'as pas changé, Yannick. C'est fou. C'est dans la tête. Je veux dire, les gens qui commencent à penser « Ah, oh, je suis rendu là. Ah, oh, je suis rendu... » Tu sais, on en connaît tous, des gens qui disent « Ah, oh, je peux plus faire ça, je suis trop vieux. » Arrête! Mm-hmm. Moi, je connais du monde, ils ont 80, ils font du ski alpin. Bon, peut-être plus comme quand il y avait 22, mais ils en font encore, tu sais. Alors que tout ton corps lâche, ton esprit est tout bien recadré.